Hello tout le monde, c'est Noki, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Evoland, donc épisode 2. Dernière fois on s'est arrêté juste à l'entrée des mines de la Noria, donc je voulais savoir, donc j'ai pas encore des retours sur le premier épisode, bon c'est pas trop grave. Je continue donc justement ce second épisode, donc je continue le Let's Play, je vais le terminer à 100%. Avec vous. Alors, débloquer mines ouvertes, vous pouvez maintenant explorer les mines de la Noria. Faut pas casser les pots. On dirait que ce passage est dangereux. Ok. C'est marrant, il y a une tête de Bowser sur la pancarte. Pas dû y avoir de copyright ou je ne sais quoi. Pot cassable. Parce que les plaisirs les plus simples sont les meilleurs. Bon, ok. On va aller casser du pot. À se transformer en Zelda-like. Débloquer plaque à pression. Ce n'est pas exactement Fort Knox. Hop, ça marche pas. Ah. J'ai eu peur. Allez, donc comme toujours, un petit... le jeu vraiment RPG classique. Mécanisme d'ouverture. On se demande pourquoi ils ont des portes. Passer par là. Mage. Pas de l'air d'être méchante. Ça ressemble à Kamek dans Mario. Vraiment le mob relou. The mob relou. Tiens, t'es mort je crois. Tiens, alors ça aussi ça vient du Zelda. C'est magique. Le mur bombe. Le classique mur bombe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fausse piège. Ah non, je veux dire fausse piégée. Pièce piégée, vous n'avez peut-être pas dû rentrer. Ah, ça va. Pour une pièce piégée, c'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Alors. Clé, bon bah clé. Je fais beaucoup le rapprochement avec Zelda quand même, parce que. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais petit. Aïe, fils de conne. Non, je vais arrêter de dire des gros mots. On va pas commencer. Aïe. Voilà, des murs. Et je prends ton cœur. Je suis machiavélique. Alors. Je vois quelque chose sous l'eau. Il va y avoir un autre mécanisme par ici. Je crois qu'il est là. Oh là là, j'aime pas les mages. Tiens. Pff, je pouvais rien faire là. Porte de là, quoi, de mage. Tiens. Ils spawnent bien hein, ces petits salopios là. Ah, ça a pas tout activé, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien. Et puis là. Labyrinthe. Toujours à droite, ça devrait marcher. On va voir. Je jure que tout à droite, voilà, c'est genre un truc bien piégé. Ah. Ouais, j'ai réussi à récupérer le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Une clé, ouais. Ils sont toujours du bon côté des portes. Ah, là-dedans, une petite étoile, je pense. Ou une carte. Une étoile, c'est pas, c'est magique. Allez, on continue d'avancer. Clac, clac, clac. Ouh. Je préfère en fait ce genre de RPG par rapport au, enfin ce genre de combat par rapport au premier, enfin au premier épisode où est-ce qu'on a plus combattu plus dans le style de Final Fantasy. Je préfère vraiment ce style de RPG en fait plus, donc autour pas au tour par tour justement, donc c'est du on va dire en temps réel. J'aime vraiment. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je te fight. Wow. Viens là, viens là, viens là. Aïe. Tiens, t'es mûr. Ouais, un cœur.
bloc mobile. Il a l'air lourd, ne vous faites pas mal au dos. J'aime bien les blagues, cet auteur. Marrant. Allez, c'est parti. J'espère que ce jeu est vraiment long, ça serait cool, ça. Ah. Ah. On va essayer de le finir à 100% avec tous les coffres, toutes les étoiles. Ça, ça m'a pas l'air bien dur. Wow. C'était dur. On a réussi à pousser deux blocs. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a un truc ici. C'est un peu. Je crois que je me suis régène. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ok. Pièce piégée. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Rien d'autre, à dire. Il allait me toucher. Méchant, pas beau. Bande de méchants. Interface HD. Adieu pixel, bienvenue. L'anti-aliasing. C'est pour ça qu'on a des super cœurs maintenant pour l'interface. Il y a beaucoup de monstres dans cette pièce. J'espère que tu vas bien. Désolé de ne pas pouvoir combattre avec toi. Laisse-moi au moins soigner tes blessures. Oh oui, soignez-moi. Alors, petit coffre, un trou, un endroit formidable pour se débarrasser des monstres invincibles. Ah oui, d'accord. Moi, je peux tomber. Ah oui, d'accord. Je tombe... Ok, je suis tombé, je suis revenu, j'ai perdu un quart de cœur, et puis... Je suis revenu un petit peu en avant. C'est un peu le bordel, quand même, hein. Je sais plus où je suis. Gauche ou droite, l'un des deux est dangereux. Comment savoir? On va y avoir d'avoir un bloc, je vais dire à gauche. Ah bah c'était pas le bon. Je suis chanceux, dis donc. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Je pense qu'il y a une meilleure technique que de faire ça, mais bon, au moins ça marche. Il va y avoir une frame où est-ce qu'ils sont pas... Ça aurait été marrant que les deux soient mauvais. Là, il y aurait une raison de... Alors, Tornade vous emmènera gentiment dans le piège le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, il fallait juste compter, ça va. Il n'y a plus dur, il n'y a plus dur. Il y a des trucs là. Saleté 32. Ah. Bande de salopio de fantômes, les deux. Allez, je vais peut-être réussir à en tuer un, ça fait un déjà, hop. Ah bon, ça va être dur le deuxième. Allez, spawn à côté. Pas là. Non, pas là. Je récupère de la vie. Ouf. Faut ouvrir ça. Puzzle de lumière. Oh non. Oh. Oh, mais genre, elle m'a touché, ça fait une flamme de merde. Tiens, tu me fais plus chier. Alors. Je dirais qu'on devrait partir de là. Ah zut. Hop, 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 on est fou, on est fou. Ta-da-da-da. Je crois qu'on pouvait pousser la statue sur la, pour la mettre au milieu, mais en fait non. Alors, ah, chauve-souris. Ah, zut. Ouf. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça va être intéressant ce qu'on a. Une clé? Ah ouais, super. Vite! Vite! Zut. Bon, je crois que je suis
un peu dans la merde, j'ai plus trop de cœur. Tiens, les points de sauvegarde, c'est cool ça. Tiens, meurs. Débloquer lave. Non, elle ne se transformera pas en obsidienne. Petite référence à Main, c'est bon. Alors. Tout va bien, tout va bien. Alors, j'ai un mauvais pressentiment. Attention où tu mets les pieds. Ouf. Waouh, 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 waouh. On se calme. On se calme, petit. Waouh. On est passé, c'est cool. Piège de feu. Conseil, allez-y doucement. Là, je vais passer par là pour voir. Il n'y a rien. Je sais pas si on peut passer à tra- Non. Il a pas fait ça. Ah, oh, c'est mesquin. C'est mesquin. Il a pu faire qu'on puisse passer à travers les murs. Oh. J'ai loupé plein de trucs, je suis sûr. Oh, le méchant. Pas beau. Oh, le méchant. Méchant développeur. C'est le développeur fou qui met des pièges partout. Voilà. Tu prends des dégâts. Tiens. Mourez tous, bande de... méchant de... Allez, il faut que je les tue. Il y a un moyen beaucoup plus simple de les tuer, les petits pirates. Ah, j'ai mis ce clic. Tiens. Je me gratte le nez 2 secondes et puis j'allais faire un misclic et foncer sur le mob quoi. C'est une honte. Alors. Encore des petites portes débloquées. C'est un vrai labyrinthe ce truc. Je sais plus où je vais. Je crois qu'à droite il y a des choses. Je vais aller voir quand même. On n'a pas de carte. Ça c'est... c'est dur à vivre. Je le vis très mal depuis que je n'ai pas de carte dans mon donjon. La porte du boss qui est... Ah ok, d'accord. Ça c'est la porte du boss. C'est pour ça que c'est une tête de Bowser. Bon alors à mon avis il doit y avoir encore plein d'autres endroits cachés. En gros faut se taper tous les murs. C'est sympa, mais quelle gentillesse. Bon, je vais quand même retourner vite fait à l'endroit où il y avait quelques coffres de ce style. Une étoile. Parce qu'on a loupé quand même pas mal de coffres sur le chemin. Là, je me demande en fait si on fonce dans le mur, et qu'est-ce qui se passe. Peut-être un endroit où est-ce qu'on peut gruger en gros. Peut-être gagner un truc genre bombe ou... chose du genre. Non, c'est pas par là. J'avais vu un autre coffre, un autre endroit. Ça va pas être loin de là. Non, j'ai peur, hein. J'ai envie de faire tous les... passer dans tous les chemins. Comment on fait pour activer ça? Oh là là, le petit coquin. Il a manqué un coffre. C'est honteux. Je me rappelle un truc comme ça dans la version classique justement, où est-ce qu'on pouvait taper le mur. Pour savoir s'il y avait quelques pièges, quelques secrets. Bon là ça a pas l'air d'être activé, mais en tout cas on entend déjà un bruit quand on tape dans le mur, donc il doit sûrement y avoir quelque chose. Bon. Allez, moi je suis prêt pour le boss.
J'espère que ça va être un petit boss comme ça en RPG, ça va être cool ça. Ça nous fait gagner les bombes et comme ça on peut continuer. C'était un accident, vous avez quasi 20 pots. Il y a une présence maléfique tout droit. J'espère que ce n'est pas encore un horrible monstre. Peut-être un monstre mignon cette fois. Ouais, genre des lapins et des coccinelles, bien sûr. Kairis, quelque chose approche. C'est moi-même. Vous ne passerez pas. Oui, bien sûr. Non, non. Non, non. Est-il réel ou simplement une ombre? Ouais, j'espère que c'est pas moi, hein, sinon moi je veux bien cracher des flammes. Ça lui fait rien, il doit avoir un point faible. Peut-être qu'il fonce dans le mur. Fonce dans le mur. Ah ouais, voilà. Ça marche tout le temps, ça. Heureusement qu'il me donne des cœurs, même si ça va plus haut. Bon, s'il me touche à chaque fois, ça va pas le faire, mais... Ah, ouais. Je crois que tu prends un peu cher, mon pote. Tiens, meurs. On a trop de souffrance. Retourne au pays des elfes et des ombres et des trucs machin. Shoot. Hop, hop, mais je suis sûr, ce n'était pas le vrai boss. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est ? L'épée légendaire, elle a l'air lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. Alors... Ouais, j'ai l'impression que je me déplace moins vite d'un coup. Je vais voir si je peux casser des murs avec ça. Bon, même si ça m'étonnerait, hein, mais on sait jamais. On va tout de suite tenter. Cassage de mur. Je peux même pas. Je voulais essayer de faire une méga attaque, mais ça marche pas. Je crois qu'il faudra que je revienne quand j'aurai des bombes. J'aime toujours pas comprendre à quoi servaient ces statuettes. À rien, je pense. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que tu veux me dire? De l'air frais. Nous avons atteint la sortie des mines. Allons vite au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai l'épée légendaire, qu'est-ce que tu veux faire? Trop peur, quoi. Combat 3D, en attendant la quatrième dimension. Oh, shit, trop swag. Je crois que tu es mort. Allez, on fait une petite explo. Ah, il y a Bit Tortue. Il y a Madame Bit Tortue qui fait mal. On va tuer d'abord les champis, si on peut. Île de masse. Je crois qu'elle... Ah non, j'allais dire, je crois qu'elle va mourir, mais en fait, non, ça devrait aller. Champi. On va pas faire avec ça. Ah, Twin, ça me rappelle justement un monde dans... J'ai vu la référence dans Dofus. De petit familier bizarre. Ça ressemble à une tortue justement. Tortue karatéka. Soin. Ça va, le soin est toujours aussi efficace. On va quand même tuer ce truc là parce qu'il fait un peu mal. Un heal. C'est magique. C'est beau. Ah, j'ai 105 PV, j'adore. La musique et tout. Waouh, ça pète trop. Vraiment RPG mode. On est vraiment immergé dans le jeu, c'est extra. Grosse tortue. J'espère que je vais pas avoir d'autres tortues comme ça. Ouais, ce serait cool. Juste des mobs à one shot, moi ça me va. Genre ça là. Ça me va. Ah, trop de mobs. Tiens. Oh yeah.
attaque. Trop cher. Non, bon, ok, j'avais envie de le dire. Magie, soin. Go! Allez, je vais tuer le champi. Voilà. On a GG. Niveau 5, aucun astuce augmenté attaque. Niveau 5, astuce augmenté défense. Ah, je crois que ça a l'air d'être là, le nouveau village. Et notre fucking tortue. Qui met trop de dégâts. Tiens, mange pas ça. Soin. Putain, mais les 15 dégâts, ça fait trop mal. Quoi. Tiens, on va. J'aime ces persos comme ça qui sont complètement pétés. Rien qu'à deux, on peut se faire des mobs ici. Dommage, j'aurais pas dû focus lui. Mais... un petit soin. Ça passe tout seul. Bam. Allez, bam. Ça m'a l'air d'être là. Décor précalculé. Petite révolution graphique. Ah ouais, ça change d'un coup. Enfin, nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore corrompu par le mal. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire? Maybe, maybe not. Partie sauvegardée. Alors, donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 2. Donc on a quand même pas mal profité. Je pense, enfin moi en tout cas j'ai bien aimé, bon, j'adore ce jeu de toute façon, mais j'ai bien aimé la partie dans la mine. Donc j'espère que ça vous plaît toujours, je vous incite toujours à mettre des likes, des commentaires, de tout ce que vous voulez, et aussi à vous abonner à ma chaîne, donc si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. Voilà, donc je voulais vous dire ça, et puis quoi d'autre? Ah oui. Je vais faire donc la suite du let's play. Je pense dans la foulée, donc il y aura peut-être pas de différence notable au niveau, par exemple si j'ai un problème de son, j'aurai sûrement un épisode 3, enfin je verrai bien. Voilà, donc je vous dis salut, à plus.